Un champ magnétique de 100 millitesla traverse une spire d'air 0,02 mètres au carré. Le champ fait un angle de 30 degrés avec la normale au plan de la spire. Calcule le flux magnétique traversant cette spire. Voici une telle spire circulaire. Voici un vecteur normal N au plan de la spire. Et voici le champ magnétique B d'intensité 100 millitesla, c'est-à-dire 0,1 tesla. L'air grand A de cette spire vaut 0,02 mètres au carré. L'angle θ formé par la normale et le champ magnétique vaut 30 degrés. Dans ce dessin, l'angle est trop grand. Je le mets sur 0, ensuite 15 degrés, et voilà, θ vaut 30 degrés. On demande le flux magnétique à travers cette spire, flux φ, que nous exprimons en Weber. Et pour trouver ce flux, nous avons cette formule à notre disposition. Le flux φ est égal à B fois A fois cosinus θ. Nous remplaçons le B par 0,1, le A par 0,02 et le θ par 30 degrés, comme ceci. Et c'est ainsi que nous trouvons que le flux magnétique à travers cette spire vaut à peu près 1,732 fois 10 exposant moins 3 Weber.